pas. Thank you.
tous, sale gars. Même s'il doit en rester qu'un, on se ramènera. Restez pas là, bougez-vous. Chargez. Mettez-vous la pression. Petite conne, ça ne dérange pas de tuer nos hommes, mais elle fait rien aux esclaves. Ça c'est comme, elle est comme eux. Vous avez perdu vous, alors vous envoyez vos chiens. Tu vas bouffer tes dents. Couvrez-moi. Je vais la faire sortir de son trou. C'est ce qu'on va voir. Amenez-vous. Amenez-vous. Prenez ça. Espèce de salope. Tu me feras. Le baron va t'arracher les fesses. Le baron va partir. Le baron par là. Vous voyez que... Pourquoi le baron est pas là? Je crois que le baron est trop malin pour venir en personne. Alors il vous a envoyé vous mourir ici comme des crétins. Et vous êtes tous venus mourir ici comme des crétins. Alors le baron a promis une plateforme à celui qui nous tuerait. Il vous a promis de vous donner des crabes, des filles à boire, c'est ça? Mais tout ce que vous allez y gagner, c'est une passe dans le crâne. Et après, ce sera aussi le baron. Et il y aurait ce chien galeux dans son retour. Le problème serait réglé depuis longtemps. On mord la poussière pour rien, là. C'est impossible de l'atteindre. C'est cuite en rentrant à la plateforme, la cuite du siècle. Comment on va pouvoir la choper si elle reste là-haut ?
J'aurais dû emmener des explosifs. Le problème serait réglé depuis longtemps. On peut même pas l'atteindre avec nos flingues. On aurait dû venir de nuit. Vous aurez pas remarqué. En rentrant à la porte, la chute du ciel. Tu es un ennemi! Tu dois être un ami. La porte est bloquée. Attends que je baisse la barque.
Lithium. Entre. Tous ceux qui tuent les Moon Eye Bailers sont mes amis. Les Moon Eye Bailers. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils ont changé mon peuple en esclaves. Ils auraient bien aimé m'enchaîner aussi. Mais plutôt mourir. Avant la guerre. Ma mère y travaillait. Elle était opératrice. Il est abandonné depuis longtemps. J'y suis allé après la guerre pour chercher des indices sur ma mère. Mais j'ai rien trouvé. Abandonné ? Jules, on vous a aidé. Vous pourriez nous renvoyer l'ascenseur en menant notre homme à l'intérieur ? Bien. Je vais vous aider. Artyom, tu dois fouiller les archives. Sans doute près du centre de commandement. Cherche les clichés pris après la guerre, à partir de 2013. Damir sera bientôt là. Tu peux compter sur lui. Melnik, terminé. Si on y va, c'est maintenant. Sinon, il en arrivera d'autres. Si t'as besoin, tu peux utiliser l'établi. C'est pas les dangers qui manquent dehors. C'est pas très raisonnable de sortir. T'as l'air raisonnable, mais t'as pas le choix. Non ? Dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Avant la guerre, c'était magnifique ici. Il y avait la mer. J'avais 5 ans. Maman était jeune. Et vivante. Maintenant, c'est le désert. Les bêtes sont devenues des monstres. Les gens sont devenus des bêtes. Les miens sont devenus des moins que rien. Mais c'était pas leur faute. C'était à cause de ces chiens du pétrole. La mer s'est asséchée, mais le pétrole est resté. Les anciens sont morts. Il n'est resté que les jeunes. Ils se sont tous pliés à leur choix. Les Moon Eye Bailers se prétendent les dieux du feu maintenant. Les jeunes les croient. 5 ans après la guerre, ma mère est morte. Je suis resté seul. Je sais comment ouvrir la porte. J'y suis allée. Mais jamais très loin, à cause des araignées. Tu vois le passage? Passe par là, je te suis.
Génial. J'ouvre la porte. Tu descends et après tu tournes à gauche. Tu verras un passage étroit. Je reste ici pour surveiller que l'électricité s'éteint pas. Si tu vois la photo de ma mère, ramène-la. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Thank you.
toxique. Pour le moment, la ventilation arrive à le dissiper. Mais il se passe quoi si le courant saute encore? Ou si un nouveau tremblement de terre agrandit les fissures? J'en ai parlé au chef, mais il me sort son refrain habituel. On reste assis à son bureau à boire et à se tourner les pouces. Pas de panique, suivez scrupuleusement la directive 01. On croirait entendre un disque rayé. Je sais vraiment plus quoi faire. Arcus, veuillez ouvrir le niveau inférieur. Bon, alors, ah, voilà. C'est parti. Système de ventilation en mode minimal. À tout le personnel, procédez conformément aux instructions. Qu'est-ce que t'en dis, Arcus? Moi, comme ça, t'as sûr de m'entendre? D'après le plan, la porte des archives ne s'ouvre que de l'intérieur, en mode manuel. Mais tu peux entrer par la ventilation. Cherche l'entrée dans la pièce suivante.
Je viens juste de m'installer dans l'ancien camp. Pas question de rester plus longtemps dans ce trou avec Yule. De nouveaux geysers surgissent de terre tous les jours. Le bunker pourrait s'effondrer à tout moment. Il n'y a plus rien à espérer. Plus personne n'est capable de dire ce qu'on fait là. On ne peut même plus travailler. Je ne descends plus que pour récupérer mon salaire, ou plutôt mes rations, désormais. J'ai envie de croire que c'est plus sûr à la surface, mais je sais que je fais des illusions. Les gens sont affamés. Chaque jour apporte son lot d'attaques et de meurtres, toujours plus violents. J'ai une grosse pensée pour Guillaume, leur filet. Je n'arrive pas à croire que ce cauchemar est le monde dans lequel elle est entrée. Thank you.
Gale. Tu n'as rien à faire ici. Viens, tu me montreras tous les seins. En attendant, on va jeter un œil au territoire ennemi. Ici et ici. Ces lumières sont celles d'une ville. Et s'il n'y avait pas la directive... Ugh.
Sur le quai. Vu l'état du bunker, j'en reviens pas, l'ascenseur fonctionne encore. Ma mère m'a dit qu'ils avaient dû le réparer plein de fois, entre autres choses. Kepragmet, merci Artyom.
Tiens, mon père me l'a offerte quand j'étais petite. Damir dit qu'une petite fille est dans votre train. Donne-lui. Ça lui portera bonheur. Vous avez de la chance. Les Moon Eye Bailers sont presque tous partis piller avec le plus gros de la troupe. S'ils étaient tous là, vous seriez déjà mort. Mais là, c'est l'occasion de changer les choses. Moon Eye Bailer signifie quelque chose comme Jean Fortuné du pétrole. Et les foreurs pétroliers, j'imagine. Écoute-moi, je vais te dire comment et où aller. Une fois dehors, va à droite. La route menait à la mer avant, au port. Anna doit être dans le coin. Contacte-la, elle aura sûrement trouvé quelque chose d'intéressant. Je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur ces foreurs pétroliers. Je contacte la base si je trouve des infos utiles. Dis-moi, Viul, comment ce baron a pris le pouvoir ? Mon peuple a choisi son destin tout seul. Quoi ? Ils sont devenus esclaves de leur plein gré ? Ouais. Les Moon Eye Bailers leur ont dit qu'ils les protégeraient en échange de leur travail, et ils ont accepté. Les Moon Eye Bailers leur ont dit de vénérer la flamme sacrée, et ils ont encore accepté. Enfin, ils n'avaient pas vraiment le choix. Ils avaient le choix, celui de se battre. De se battre et mourir, pas de devenir des esclaves. Tout le monde n'est pas prêt pour ça. Il faut être prêt. Je suis toujours prête. C'est pour ça que tu te bats toute seule. Même toute seule, je peux tuer le baron. En imaginant que tu la battes, tu feras quoi après ? Je réfléchirai à la suite quand le baron sera mort. Ouais, ouais, ça se tient. Vas-y, Artyom. Bonne chance à toi. Tu devrais y aller, Artyom. On discutera plus tard. Allez, à plus tard, Artyom. Bonne chance. Au revoir, Artyom.